Découverte aujourd'hui d'un blister de la gamme Pick and Shot de World of Games. Il s'agit d'une pièce d'artillerie écossaise. Les figurines sont en métal. Le moulage du châssis est assez moyen, avec un plan de joint assez visible et un décalage sur un des côtés de la figurine. Il faudra bien ébavurer avant de passer à la peinture. On passe ensuite aux 4 petits canons alignés qui viendront prendre position sur le châssis. On prendra bien soin de ne pas jeter 2 petites pièces en métal qui servent simplement à maintenir l'axe du canon. L'autre morceau à ne pas jeter est, semble-t-il, un petit boulet de canon qui pourra servir de décoration. Le premier artilleur est celui chargé de la mise à feu. La gravure n'est pas très fine et la ligne de moulage est encore ici bien présente. Il y aura donc un travail de préparation non négligeable avant la peinture. Le second artilleur est le chef de l'unité. Le tirage est bien meilleur que pour la première figurine, il n'y a presque pas de ligne de moule et aucun décalage. Un troisième artilleur vient compléter l'unité. Là encore, la figurine est assez moyenne et demandera un bon travail de préparation. On notera aussi que le métal utilisé est assez mou et que ces figurines sont fournies sans socle.